La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 30 mars 2023 de 10 h à 12 h sous la haute autorité de Son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de Son Excellence Monsieur le Président de la Transition. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 28 mars 2023, recommandation dudit Conseil, décision du Conseil des ministres divers. Au titre de son message, Son Excellence Monsieur le Président de CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, a commencé son message en demandant aux ministres d'observer une minute de silence à la mémoire de notre regretté Elhadj Ousmane Baldé pour les intimes sans loi. À cet effet, il a indiqué qu'Elhadj Ousmane Baldé, en plus d'être l'époux de Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, était un homme vénéré et un grand opérateur économique en République de Guinée. Pour le président de la transition, son rappel à Dieu représente une grande perte pour la nation tout entière, et qu'en cette douloureuse circonstance, il a présenté en son nom propre, au nom du gouvernement, au nom de tout le peuple de Guinée, les condoléances les plus émues à la famille, aux proches de notre regretté Elhadj Ousmane Baldé. Puisse Dieu l'accepter dans son paradis. Amen. À cet effet, le président de la transition a fait savoir que le CNRD et le gouvernement enverront une délégation à Fatakor pour assister aux obsèques. Ensuite, le chef de l'État a porté son message sur deux points, à savoir les félicitations, le rappel. Au titre du premier point, le président de la transition a adressé ses félicitations au ministre des Infrastructures et des Travaux publics, ainsi qu'à celui des Transports, respectivement pour les travaux de marquage, de signalisation de nos routes et pour la pose des premières pierres de 3 et bientôt de 4 aérodromes à l'intérieur du pays. Dans la même lancée, le chef de l'État a mentionné que les questions de routes et d'aérodromes restent des grands défis de la transition. À cet effet, il a invité les ministres concernés à poursuivre et à faire en sorte que les normes, les coûts et les délais contractuels soient respectés, en y veillant personnellement. Au titre du deuxième point, le président de la transition a rappelé que l'instruction qu'il avait donnée lors d'un conseil des ministres de prendre des dispositions pour libérer les emprises de la route a été effectivement appliquée. Cependant, le point d'attention est de faire en sorte que cela continue dans le temps pour empêcher toute éventuelle réoccupation illégale ou anarchique par les populations riveraines. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 28 mars 2023, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Bernard Goumou, a commencé son message par présenter, au nom du président de la transition, de tout le gouvernement, les condoléances les plus attristées à Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable, suite au rappel à Dieu de son époux. À cet effet, il a invité le Conseil à observer une minute de silence en sa mémoire et prier pour le repos de l'âme de feu Elhadj Ousmane Fatakor Baldé, sans loi, qui a rempli honorablement sa mission ici-bas. Ensuite, le chef du gouvernement a articulé son message autour de trois points, à savoir la reconstruction des aérodromes régionaux, la pose de la première pierre des projets d'infrastructure et la passation des marchés, le dégel des comptes des collectivités. S'agissant du premier point relatif à la reconstruction des aérodromes régionaux, le chef du gouvernement a rappelé avoir procédé à la pose de la première pierre de ceux de Cancan et de Farana le week-end dernier. Accompagné du ministre directeur de cabinet à la présidence et des ministres en charge des transports, des postes et télécommunications, le Premier ministre a affirmé avoir été accueilli par les populations et autorités locales,
réconfortée et pleine d'espoir pour les actes que le CNRD a à sa tête le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ainsi que tout le gouvernement ne cesse de poser en faveur de la reconstruction et de la rectification institutionnelle. Dans la même lancée, le chef de gouvernement a informé qu'il a procédé le mercredi 29 mars 2023 à la pose de la première pierre de l'aérodrome de Zérékoé et de celle de l'Abbé pour le samedi 1er avril 2023. Le Premier ministre a précisé qu'il s'agit dans l'ensemble d'un projet de 4 aérodromes avec un coût global de 59 millions de dollars qui sera exécuté sur 12 mois. Par ailleurs, il a indiqué que ce projet vise à reconstruire et moderniser l'existant qui a été détruit et abandonné par endroits. Dans la même logique, il a noté que cette reconstruction s'inscrit dans la perspective de relance du transport aérien interne. Concernant le deuxième point, relatif à la pose de la première pierre des projets d'infrastructure et la passation des marchés, le chef du gouvernement a invité tous les ministres à accélérer le calendrier de la pose de première pierre des projets d'infrastructure relevant de leur département, ainsi que le processus de passation des marchés pour les projets non attribués, tant pour les études que pour leur réalisation. À cet effet, il a souligné que le temps n'est pas un galant homme, car il s'écoule vite et les activités à mener se bousculent dans l'agenda du gouvernement de la transition, d'où la nécessité de faire avancer les actions de terrain déjà planifiées. Pour le troisième point relatif au dégel des comptes de collectivité, le Premier ministre a informé qu'il y a encore des projets dans les collectivités pour lesquels les comptes sont toujours gelés. À ce sujet, il a invité le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, à lui faire le point de la situation dont le dernier délai était le 29 mars 2023. En outre, le chef du gouvernement a mis à profit cette ouverture pour rappeler que, dans le cadre des contrats annuels de performance, la période des évaluations internes est prévue pour le mois prochain et qu'un premier rapport d'activité devra sanctionner cette étape avant l'évaluation du ministère par une commission technique. Pour finir, le Premier ministre a rappelé que le vendredi 24 mars 2023, le président de la transition était très enchanté de visiter le chantier de Koloma et d'inaugurer le nouveau plateau du journal télévisé. À cette occasion, le chef de gouvernement a félicité et encouragé Madame la ministre de l'Information et de la Communication pour le dynamisme qu'elle veut insuffler à notre vitrine nationale, la RTG. Au titre des communications, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait une communication relative à l'avant-projet de loi portant prévention du VIH, la prise en charge et la protection des personnes vivant avec le VIH en République de Guinée. À cet effet, il a informé que, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de riposte au VIH, le Comité national de lutte contre le sida, CNLS, à travers son secrétariat exécutif, a pris d'utiles dispositions réglementaires et législatives, parmi lesquelles il y a la loi /2005/025/AN du 22 décembre 2005 relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH-Sida en République de Guinée et l'ordonnance 0/2009/056/PRG/SGG du 29 décembre 2009. Il a indiqué qu'au regard de l'évolution des données factuelles et juridiques du contexte actuel, la révision de la loi L/2005/025/AN du 22 décembre 2005 relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH-Sida s'impose.
C'est fort de tous ces facteurs que le Comité national de lutte contre le sida, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, a initié cet avant-projet de loi relative à la prévention, la prise en charge des personnes vivant avec le VIH en République de Guinée. Au titre des décisions, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, communication relative à l'avant-projet de loi portant prévention du VIH, la prise en charge et la protection des personnes vivant avec le VIH en République de Guinée. Le Conseil a recommandé à Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de rendre le travail plus inclusif en associant tous les départements sectoriels concernés en vue de prendre en compte d'autres pathologies telles que l'hépatite, plus mortelle de nos jours que le VIH, avant sa prochaine soumission en Conseil interministériel pour seconde lecture. Au titre des divers, Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale a informé le Conseil de la tenue le 24 mars 2023 à Kindia de la table ronde des utilisateurs des données du 4e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH4, avec la participation de tous les départements sectoriels. Elle a aussi informé le Conseil qu'une mission de la Banque mondiale séjourne actuellement en Guinée à l'effet de passer en revue le projet SWED en vue d'y apporter une assistance technique pour améliorer la mise en œuvre des activités dont le taux d'exécution demeure faible, 12%. De même, elle a informé le Conseil de la revue hier mercredi 29 mars 2023 des résultats du plan cadre du programme des Nations Unies pour l'aide au développement achevé en 2022. La ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises a informé le Conseil de l'organisation de l'atelier de validation des textes d'application portant sur le contenu local. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a fait part du lancement de la construction du village artisanal de Boké, dont la pose de la première pierre est prévue pour demain, vendredi 31 mars 2023. Le ministre secrétaire général des Affaires religieuses a informé le Conseil du lancement de la 41e édition du concours national de la lecture du Saint-Coran, placé sous la présidence du chef de l'État, hier mercredi 29 mars 2023. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a fait part de la pose de la première pierre de la Bibliothèque universitaire générale Lansana Conté de Sanfonia, prévue pour demain, vendredi 31 mars 2023. Le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a fait un compte-rendu succinct de sa participation à la conférence mondiale sur l'eau organisée par les Nations Unies à New York. Madame la ministre de l'Information et de la Communication a informé que désormais, tous les paiements des services de médias publics rattachés au ministère, notamment la RTG, Oreya, Radio Rurale, doivent se faire exclusivement par chèque ou virement bancaire uniquement sur les comptes domiciliés au Trésor public pour faciliter le recouvrement et une meilleure gestion des ressources de ces médias. Également, elle a porté à la connaissance du Conseil de la préparation d'une campagne de communication visant à informer la population de la possibilité de recevoir hors bouquet ses télédistributeurs à l'aide d'un téléviseur numérique et d'une antenne râteau, les émissions de la RTG 1 et RTG 2 dans le Grand Conakry. Elle a également informé le Conseil que les travaux de sécurisation et de protection des sites de diffusion et des radios rurales à Conakry et à l'intérieur ont démarré, ainsi que le déploiement des équipements et matériels techniques sur les sites protégés. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a informé de l'arrivée de la délégation du Fonds mondial pour les survivants depuis le 27 mars 2023 et de la tenue d'un atelier y afférent dans les locaux de son département
depuis le 28 mars 2023. Il a également informé que notre pays a été retenu pour abriter les travaux de la 19e session de l'Association africaine des hautes juridictions francophones en République de Guinée qui se tiendra au mois de décembre 2023. Conakry, le 30 mars 2023, le Conseil des ministres.